Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je ne dis jamais ça. Bonjour et bienvenue les Guériens. Merci de m'accueillir chez vous pour une petite démonstration, petite présentation de jeu plutôt. Encore, oui. Merci Irène. Merci Irène, merci Irène. Donc Irène Rust Tarot. Allez voir sa chaîne, mais vous la connaissez évidemment. Je ne vous apprends rien du tout. Donc voilà, j'ai eu la grande chance d'avoir reçu des jeux de Irène. Vraiment très très gentil, merci, merci, merci. C'est une très très belle personne. Pas parce qu'elle m'a donné des jeux spécialement, c'est une personne, des gens qui peuvent donner des jeux qui sont pas beaux, hein, mais c'est une, voilà, elle n'avait pas du tout demandé que j'en parle, donc justement, je le fais quand même. Alors, elle m'a pas dit de ne pas le faire. M'a rien dit. Donc voilà, c'est très gentil, encore plus. Donc voilà, l'oracle Mahouho. Donc, et je sais qu'il a été en rupture de stock. Maintenant, il est de nouveau en stock. C'est pour ça que j'ai pu l'avoir. Et je vais vous présenter quelques cartes. Alors, les oracles d'Irène sont magnifiques. Alors, je ne vais peut-être pas vous les prendre tous là, parce que, évidemment, voilà, j'ai le Line of Love ici. Avec l'extension, j'ai le Dizzy que je sais il est là quelque part, mais voilà. Pardon. Hop. Où l'ai-je mis? Je l'ai eu tout à l'heure en main. Bon, écoutez, c'est le petit Lenormand carré que j'utilise. Le voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment, ce sont des cartes d'une excellente qualité, n'est-ce pas? D'excellente qualité. Qui sont en aspect carton, moi j'avoue, enfin ils ne sont pas, ils sont lisses, hein, mais je veux dire, moi j'aime bien, c'est pas un aspect plastique, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, je trouve que les cartons, ça, voilà, c'est un aspect comme les anciens jeux, enfin je sais pas, j'ai l'impression que les énergies, elles glissent plus sur... Ouais. Pas tous les jeux, hein, mais que les énergies glissent parfois plus sur certains jeux très très plastifiés que dans. Je trouve que ces énergies-là, elles gardent. Ces jeux-là, ils gardent des énergies. Plus on travaille avec, plus ils nous parlent. C'est comme le Grand Lenormand, le Béline. Plus on travaille avec, plus ils nous parlent. Parce qu'ils ont nos énergies. Donc je trouve ça vraiment. Magnifique. Bon, il est couleur, bon, c'est gris-bleu. Les gens, on ne voit pas tous les couleurs de la même manière. Moi, je vois gris-bleu. Et avec un petit, ici, nous avons une petite lune, peut-être. Des petites étoiles, enfin, voilà. Vous voyez, là, il est beaucoup... Moi, je le vois beaucoup plus clair qu'il ne l'est en réalité. Voilà. La carte est plus foncée, celle-ci est plus foncée, on le voit, mais en réalité, il est plutôt de cette couleur-là. Il est magnifique. Donc, le dos des jeux. Oh, je ne l'ai pas remis dans l'ordre, tant pis. Je m'en suis servi, je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Tant pis, tant pis. Voilà, alors, on va... c'est pas grave, je vais prendre les cartes, je vais les mélanger en même temps, comme ça, je verrai un petit peu comment ça part. Donc, voilà, on mélange les cartes et on y va. Pour la petite présentation des cartes, pas dans l'ordre. Nous avons la carte 5, la carte de la pivoine. Voilà, donc la définition, etc., ça, je ne peux pas vous les donner, pour pas que vous copiez non plus. Hein. Alors, nous avons la carte de l'étude, des études de l'étude. La carte 11, la lame, la non, la 31, le travail. Donc ils parlent les nœuds, le nœud, il est au singulier. Carte 12. Le caducé. Sushi, sushi. Désolé. Caducé. La tour. Sushi.
S'il te plaît. Le serpent. La balance. Il y a tout dans ce jeu. Il est complet, complet, complet. Très complet. La maison. Il est très, 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 très bien. La naissance. Cette carte me fait penser un peu au... à la triade. 18. Le silence. Silence. La pause. 43. La carte 42. Les festivités. La 28, éphémère. Elles sont magnifiques, je trouve. Elles sont d'une simplicité et en même temps d'une complexité. Il y a tellement de choses à voir dans ce, dans ça. Moi, je vois tellement de choses. Tellement de choses. On peut voir un corps de femme. On peut voir... moi, je vois ici un visage. Les yeux. Ici vraiment au-dessus du noir, donc les deux yeux, en dessous la bouche. On peut voir un nombril aussi, une bouche au-dessus. Moi je vois, c'est voilà, c'est juste la joie, l'amour, la joie, l'amour. L'amour, mais c'est... J'adore, j'adore les crânes, donc... C'est mort et résurrection. Le retour. On retourne à la terre. La mort, on s'en va et on renaît. L'ombre. Le cœur. La réflexion. Le choix. La découverte. 44. L'homme. Classe, classe, classe. La lumière. Ouais, il a des petits... il me fait penser quand même à la triade. La femme sexy. Les étoiles. J'aime bien parce qu'il y a des aspects taches d'encre aussi. Donc il y a vraiment... plein de trucs aussi, les taches d'encre, donc la psychanalyse, la... Ouais, enfin, c'est... Diamant. Avec les facettes. Les facettes. Tout ce qui est brillant n'est pas or. La découverte. La force. Elles sont super bien. 25. Régression. On descend. La lettre. Carte 37. La carte 7. La clé. Moi, c'est bon. Pas à après le 13, le 7, c'est mon chiffre fétiche. Et on a la clé, c'est parfait. Et le 13, c'est toujours l'amour. L'élévation.
L'eau, 40. Alors, celle-ci, j'adore l'échange. Donc, avec deux visages, un visage mâle et femelle, apparemment. Donc, je trouve que c'est trop bien fait. Ils sont magnifiques, ils sont belles ces cartes. Nautile, le nautile ou la nautile, qui est une carte très 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 intéressante, j'adore, parce que ça sert à rien en fait, si vous voyez à quoi sert le nautile. Oh, je sais plus si c'est le ou la. En fait, il sert à rien. L'équilibre. Ça me fait penser évidemment à Wu Yiqing. Ça me parle fort. Et en même temps, encore une fois, des coups de taches d'encre, en fait. Des coups de pinceau, ceci aussi. Donc la croix, 34. Carte que j'aime beaucoup, la croix, carte de la croix aussi. Qui fait 7, 4 et 3. La tierce personne, apparemment. Tierce. 33. L'anneau. 35. 5, 6, 7, 8. Infinité. L'infini. L'illusion. Carte 19. L'illusion. Le mouvement. La 24 et le piège en 23. Il parle bien quand même. Enfin, je suis pas pris pour moi. Je ne prends pas pour moi. Mais en tout cas, voilà, si on voulait, si on avait voulu suivre un petit peu la définition, on termine un petit peu bizarrement. Voilà, donc je vous ai montré les cartes de l'oracle Mao. Il y en a 44. Il y a 44, 44 cartes. C'est un oracle de jeu divinatoire. Et là, qu'est-ce qu'il est écrit? Donc, oracle de jeu divinatoire de 44 cartes. Laissez aller votre intuition à travers le Mao. Signification et formation. Et formation. IrèneRust.com. Irène-Rust.com. Les mots de là-haut, voilà. Donc c'est une boîte de bonne qualité, évidemment. Tout est de qualité. Voilà les amis. Donc je vous fais des bisous. J'espère que vous avez apprécié. Vous voulez qu'on se fasse un petit tirage, peut-être? Qu'est-ce qu'on va se faire? On sort des petites énergies qui flottent. Non. Pour certaines personnes, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que je suis bloquée? Pourquoi est-ce qu'il me bloque? Pourquoi? Je ne sais pas. On va voir. Alors, la joie, le diamant et les étoiles. Bon. Ça me parle fort évidemment, mais j'ai pas choisi. L'illusion et la balance. Alors, qu'est-ce qui bloque? Alors, pour certaines personnes, qu'est-ce qui bloque? Pour moi, ici, nous avons une personne. Vous êtes bloqué parce que la personne c'est une personne qui n'est pas entière. Vous faites des illusions à propos d'une personne, voilà. Vous faites des illusions à propos d'une personne. Donc, peut-être c'est une personne ici, c'est une personne qui est trop, qui a du succès, qui est très populaire. Et cette personne, elle aime tout ce qui est bling bling, etc. Et vous ne pouvez pas le lui offrir.
Et donc, tant que vous ne pouvez pas le lui offrir, c'est une... vous ne pourrez pas l'avoir, cette personne. Même un homme, hein, c'est pareil. Sinon, par contre, quand vous faites des cadeaux à cette personne, vous, ça vous fait plaisir. Ça vous fait plus plaisir de faire des cadeaux à cette personne que si on vous fait des cadeaux à vous. Donc voilà. Et quelque part, vous allez ouvrir les yeux. Donc vous aimez faire plaisir. Alors ça, c'est pour tout le monde. Enfin, c'est pas pour tout le monde. C'est pour certaines personnes, mais rien à voir avec la femme et l'illusion ici. Donc je parle de blocage ici. Vous aimez faire plaisir pour d'autres, mais il y a quelque chose qui est injuste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Voilà. Et donc peut-être que vous vouliez faire un cadeau. Vous vouliez offrir quelque chose. Mais peut-être pas spécialement quelque chose de tangible. Le cadeau, c'était peut-être de dire, bah oui, ça va, je viendrai avec toi. Ou bien, voilà, ça peut être aussi dire à votre enfant, bah, allez, ça va, vas-y tout seul. Ici, en tout cas, quoi qu'il en soit, et pour tout ce que vous pourriez, qui pourrait être bloqué, je pense que vous pouvez retrouver la joie. Tout simplement en équilibrant votre vie. En équilibrant votre vie. Je sais pas, sinon je vais passer encore la nuit. D'accord? Donc il y a un équilibre qui doit se faire. Voilà. Oui, vous voyez, il y a une... Ben oui, c'est ça que j'avais eu pour dernier. Donc l'équilibre est ici. On a la balance. Donc il y a la tierce personne pour certains. Donc qu'est-ce qui bloque une tierce personne? Alors, il y en a qui se font des illusions. Hein. Vous allez peut-être vous faire des illusions. Vous avez une maîtresse, vous avez un amant, vous croyez que ça va aller comme ça. Seulement, non, non, la personne n'est pas du tout comme vous pensez qu'elle est. Hein. Et donc, vous allez perdre votre équilibre ici. Et en même temps, vous allez perdre l'amour que vous avez peut-être d'une autre personne. Parce que vous êtes tombé dans un piège. Et donc, vous allez ici. Donc, il y a des choses qui vont bouger si vous continuez comme ça. Et vous allez régresser. Donc, vous allez retomber plus bas, bien plus bas que où vous étiez. Et voilà, parce que la force de votre vie et de votre... voilà, c'était ici, nous avons la femme, c'est donc votre partenaire de vie. Alors, c'est votre madame ou c'est votre monsieur, ça peut être un monsieur puisque ça tire un général. Donc voilà, ben voilà, on a ici un couple lumineux, on a un couple lumineux, et peut-être que ce couple lumineux, si on va plus loin, il y a une tierce personne qui arrive. Et attention, ce sont des illusions. Voilà, ce ne sera qu'éphémère. Donc le couple ici qui est vraiment magnifique, il est possible que voilà, on fasse une pause parce que il y aura une rencontre qui va se faire lors de festivités, par exemple, ou autrement. Voilà. On a une ouverture à quelqu'un. Donc, on réfléchit quand même, mais voilà, c'est parce que je suis revenue à l'envers, en arrière. Donc, je reviens, je vais dire, au positif. Mais si je commence par celles que j'ai, les cartes que j'ai montrées, vous pouvez aller voir, revisionner la vidéo, et vous verrez qu'on termine vraiment par un couple qui va bien, puis on rencontre quelqu'un, et puis pour finir, on ne sait pas, on se demande, on est bien avec cette personne. Cette personne, peut-être qu'elle nous jette de la poudre aux yeux en nous faisant des cadeaux. Mais en fait, cette personne, le mariage ici avec cette personne qui est une tierce personne, enfin, c'est une histoire triangulaire ici, ça ne se fera pas. Parce que l'amour, il va mourir avec cette personne, cette tierce personne. Alors, c'est général, hein, c'est pas pour tout le monde, mais voilà. En gros, ce que ce jeu me dit, c'est que. Voilà. Vous le prenez pour n'importe quoi, c'était juste pour le fun. C'était voir qu'est-ce qui vous bloque. Ben, à voir ce qui vous parle dans ce petit tirage. Qui est un tirage vraiment que j'ai fait comme ça, sans même pas, j'avais même pas prévu de faire un tirage d'ailleurs. Voilà. Ok. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Merci Irène. Merci, merci. Je suis flattée et honorée de pouvoir utiliser tes jeux. Qui sont vraiment véritablement parlants.
sont parlants, ils sont juste magnifiques. Ils sont de taille normale, parfaite. Voilà, et le petit ici, le Dizzy Oracle, n'est pas un carré, c'est un rectangle, mais il est petit. D'ailleurs, je peux vous dire combien il mesure. Il fait 8 sur 6. 8 cm sur 6. Et les autres, ils font, bah oui, 6 sur 10. Voilà. Voilà, voilà, les amis. Je vous fais des bisous. Donc, je vous ai présenté l'oracle Mao. Et les autres, je vous les ai présentés déjà dans une autre, dans d'autres vidéos. Vous allez dans la playlist présentation de jeu et vous les trouverez. Je vous fais des bisous. Et voilà. Merci, merci, merci.